encore. Merci, allons et revenons. Spectateurs de MMB, nous voici encore dans ce énième numéro de Yako, encore ici précisément au stade Ebimbe. Et pour le comprendre tout de suite, ce sont donc des artistes, des chanteurs, des danseurs, des instrumentistes pour la grande messe du football, la grande cérémonie d'ouverture ici qui aura lieu seulement dans 4 jours, ici même au stade Ebimbe. Alors comme les petits plats sont mis dans les grands pour que les choses se passent bien. Alors nous sommes ici pour en savoir un peu plus, donc nous allons promener notre micro et comme cela, vous devez me suivre. Ici c'est le bureau, c'est l'accueil. Alors tous les castes c'est les danseurs. Dès qu'ils arrivent, ils descendent des bus, ils se font enregistrer. Donc on s'assure qu'ils sont exactement sur la liste et on leur donne des bracelets qui leur donnent accès au stade. Dis-moi, tu es quoi? Tu es danseur, tu es chanteur, tu es instrumentiste, c'est quoi exactement? Bon, je suis parmi les danseurs, voilà, pour l'ouverture de la CAN 2024 ici en Côte d'Ivoire. Et c'est un honneur pour toi de faire partie de ce monde? Oui, c'est un honneur pour moi, ouais. Ouais. Et même ici, vous avez encore des barrières à faire, c'est normal. Ouais, on est venu faire cérémonie d'ouverture qui va rester dans l'histoire. C'est la base de la vie. Alors, que vous êtes tous des danseurs, c'est quoi? Ouais, nous sommes tous des danseurs. Vous êtes prêts à faire le show? Très prêts. Cette coupe-là, on doit prendre ça. Je vais lever ça. Voilà, nous sommes en enceinte ici de tout ce qui est comme costume, hein. Le costume gardé ici au show pour la grande cérémonie d'ouverture. Mais quels sont ceux qui sont à l'origine? Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Vous êtes madame? Madame Florence Bacchiaste. Très bien, alors vous êtes ici juste parce que vous êtes là à la base de la création des costumes. Tout à fait, j'ai été amenée à travailler en collaboration avec Michel Yakis. Très bien, elle est là même, Michel Yakis. Oui, Michel Yakis, je suis présente. J'ai entendu parler des étudiants de l'INSA. De quoi il s'agit? Oui, effectivement, nous avons eu besoin des étudiants de l'INSA pour fabriquer les masques d'éléphants. Ça va rentrer dans l'histoire? Tout à fait. Directeur artistique et chorégraphe de cette cérémonie. La passion, la volonté, l'amour de mon pays, de mon peuple, de tout le monde, de tous les Ivoiriens, de tous les Africains, de réussir cette CAN comme... J'allais dire quelque chose d'exceptionnel. Exactement. Vous avez réuni autour de vous combien de jeunes artistes, danseurs, chanteurs, musiciens et tout? Là, on est à entre 600 et 700 personnes. Et voilà! C'est dans cette ambiance-là, ici même, dans ce stade de Bimpe, déjà ce samedi, avec cette jeunesse qui a envie de faire avancer les choses. Nous allons retrouver sur le plateau Lynn Banti et Patricia Quadio, sans oublier Delka DJ, pour le côté scientifique de cette affaire. L'ouverture de la CAN, ça sera pâtisseux. C'est ici chez nous, c'est pas ailleurs. Allons-y.